Donc on va commencer. Donc cette vidéo sera beaucoup plus longue que les autres, puisque bah forcément il faut que j'explique tout le concept, l'origine du concept et tout. Mais du coup, bah, ce qui fait que les prochaines vidéos, je partirai directement sur à chaque fois bah, les présentations des groupes. Hein, j'aurai pas besoin de réexpliquer le projet, quoi. Donc voilà. Donc on va commencer par le premier groupe. Donc à chaque fois je vais faire apparaître les photos là pour que vous ayez une petite idée. Après je pense que certains de vous connaîtront peut-être tous les membres, et après pour ceux qui ne connaissent pas tous, ben, comme ça vous les verrez popper les uns après les autres, et vous aurez une petite image d'ensemble. Ça fera un peu brouillon visuellement, mais au moins vous aurez une image d'ensemble de tous les membres qu'il peut y avoir dans le groupe. Donc pour le groupe 1, oui, je voulais aussi également dire que je ne me soucie pas trop moi des problèmes qu'il peut y avoir entre les membres actuellement, par exemple entre Jimin et Mina des AOA. Voilà, je m'en intéresse pas trop. Voilà, donc faut pas chercher. J'ai mis les groupes tels que je les connaissais, tels que je les, enfin les membres de groupe que j'ai gardé ceux tels que je les connaissais, tels que je les aimais également. Donc voilà, voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Voilà, ils sont tels que moi je les ai découverts et aimés. Donc dans le groupe 1, on a en leader Jimin des AOA. En centre, on a Jiheon de Fromis 9. En visuel, on a Doohyun de Mirai. En danseuse, on a Zhuan Yi de WGSN, donc les Cosmic Girls. En visage du groupe, on a Minhyuk de Monsta X. En rappeur, on a Jeff de Apex. En vocal principal, on a Seungmin de Stray Kids. Et en vocal secondaire, on a Mihi de NiziU. Voilà. Du coup, si je devais avoir une bias ou un bias dedans, ce serait Jiheon de Fromis 9. Qui est peut-être la membre que j'aime le plus dans ce groupe. Mindwrecker, ce serait Mihi de NiziU, parce que je suis un énorme fan de NiziU. Et ensuite, mon crush, ce serait Zhuan Yi de Cosmic Girl, que, voilà, que j'aime beaucoup également. Enfin, de toute façon, tous les gens qui sont là, je les aime tous, hein, sinon ils ne seraient pas dans ce projet, mais voilà, il y a forcément des gens qu'on aime tous un peu plus que les autres. Et ça aussi, vous pouvez me le dire pour vous, qui vous mettriez comme bias ou Wrecker et crush en commentaire. Ça peut être intéressant de voir dans des versions recomposées comme ça qui vous préfériez. Alors du coup, le groupe 1 fait partie de ce qui s'appelle ressemble le label 5 bis, parce que pour l'instant il n'y a pas encore de nom, et qui en fait est un projet. En fait les deux labels en fait sont sur le voyage entre continents. Ça veut dire que en tout il y a 6 groupes. En fait, 6 groupes vont représenter un continent. Et des continents, donc on va découvrir un peu la culture du continent, à travers les différents pays, mais aussi à travers des interactions entre les autres continents. Ce qui veut dire que peut y avoir des petits featuring entre certains des groupes. De même label, pour avoir par exemple une découverte entre ceux qui représentent l'Amérique du Nord et ceux qui représentent l'Amérique du Sud, ceux qui représentent l'Asie et l'Europe, ceux qui représentent l'Afrique, l'Océanie, enfin voilà, il peut y avoir plein de petites interactions comme ça. Et du coup, le concept du premier groupe, ça tourne autour de l'Asie, donc ce groupe-là va représenter toute la culture asiatique, les pays asiatiques. Voilà, donc voilà, j'ai pas plus de choses à dire que ça. C'est un groupe, voilà, où on va voyager autour de l'Asie et de la culture asiatique. Voilà. Ensuite, le deuxième groupe, du coup, en leader, on a Hyolyn de Sistar, enfin, ex-membre de Sistar, puisque le groupe n'existe plus. En centre, on a Choa des AOA. En visuel, on a Yoonjin de Stray Kids. En danseuse, on a Dayeon de Rocket Punch. En visage du groupe, on a Miku de Pink Fantasy. En rappeur, on a Johnny de NCT 127. En vocal principal, on a Woobin de Luminous. Et en vocal secondaire, on a Dana des Hot Issue. Voilà. Et pour cela, ma bias serait Dayeon des Rocket Punch, qui en plus est ma réelle bias des Rocket Punch.
En Wrecker, on a Hyolyn, ex-membre de Sistar, qui en plus à la base est ma bias des Sistar. Et en Crush, on a Choa de AOA. Donc voilà, surtout à part Dion, c'est deux membres de groupe assez anciens quand même. Et du coup, leur concept, elles font partie du label 7 bis. Donc on a le 7 et le 7 bis en fait, sont des labels les plus gros, puisque chacun a 5 groupes. Après il y a quand même aussi le 6 et 6 bis aussi qui sont très gros aussi. Et en fait les deux en fait se positionnent dans un monde particulier. Les deux labels sont très liés en fait. Et en fait on est dans un monde de magie où il y a plusieurs guildes à l'intérieur. Des guildes qui sont très bonnes, qui font le bien, donc il y en a 5. Et il y a également 5 guildes, comme dirait Fairy Tail, des guildes clandestines, voilà, qui font le mal dans le royaume. Et du coup, le label 7, en fait, a écrit autour des 5 guildes bonnes, donc 5 groupes représenteront des guildes bonnes avec des capacités différentes dans les guildes. Et du coup le 7 bis lui se concentre sur du coup des guildes avec des mages mauvais. Et du coup ce groupe 2 représentera une des 5 guildes mauvaises qui est là pour faire le mal avec ses propres raisons de faire le mal. Donc voilà, qu'on découvrira ensemble tout au long de l'année et des années qui suivent. Donc voilà. Pour le groupe 3, en leader on a Exy des Cosmic Girls, en centre on a Chloé de Signature, en visuel on a Erin de Skyle, en danseuse on a Rio de Niziu, en visage du groupe on a Yuna de Brave Girls, en rappeuse on a Lucie de Wuha. En vocale principale, on a Renjun de NCT Dream. Et en vocale secondaire, on a Ye Wang de Apex. Et là, pareil, ma bias serait plus Rio de Niziu. Voilà, je disais Niziu. De toute façon, c'est le seul groupe japonais que j'écoute, donc c'est forcément mon groupe japonais préféré. Hein, c'est pas compliqué. ma Wrecker ce serait Erin de Skyle, en plus en ce moment Skyle j'écoute tout le temps leur dernier titre là, dadada. Et ensuite mon crush ce serait Yuna de Brave Girls que je trouve magnifique. Et du coup le groupe 3, alors le groupe 3 est très intéressant, donc c'est ceux qui font partie du label 6 et 6 bis, donc pareil de très gros labels qui sont liés également comme pour le 7 et le 7 bis. Et en fait, à l'intérieur de ces labels, en fait, on suit des gens dans différentes époques. Donc il y a à peu près 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. En fait, il y a 10 époques différentes dans le temps. Et en fait, on a des groupes qui se retrouvent à vivre dans ces époques-là. Et du coup, ce qui fait qu'on permet de voir la culture et la vie qu'il peut y avoir à travers ces époques-là. Donc dans le cas du groupe 3, c'est l'Égypte antique, donc qui reprend un peu le concept de Tribe, mais sans les côtés extraterrestres et tout ça. Enfin, vous allez comprendre. À la base, de voir vraiment la culture égyptienne au moment de l'Antiquité, avec les pharaons et tout ça. Mais... comme je disais, il y a 10 trucs, donc on part quand même de la préhistoire qui est un truc un peu chelou, donc il n'aura pas forcément des visuels les plus beaux, hein, mais on part de là à un futur apocalyptique et même une version, une petite époque, alors je ne sais pas à quelle vraiment elle se placera, mais une petite époque un peu steampunk, voilà. Et du coup, en fait, le truc, c'est qu'il existe des vortex. Un peu comme dans Espa entre le monde des avatars et le monde des humains, sauf que là il existe des vortex en fait qui permettent de lier toutes les époques où il y a des groupes, et ce qui fait que pourra y avoir des, comme je disais avec les continents, des rencontres entre personnages de différents continents, là il pourra y avoir des rencontres entre différents personnages de différentes époques. Voilà.
Donc c'est un peu le principe du label 6, que quand il y aura des featuring, en fait, c'est que des gens auront traversé des labels, enfin des labels, des vortex, et pourront se rencontrer entre gens de différentes époques. Et du coup, le label 3, comme, enfin le groupe 3, comme je disais, il représente l'Égypte antique.